Ah, monsieur Morel, vous savez pour quelle raison vous amenez ici? Ben, je vais vous le dire. Vous êtes ici en raison de faits qui se sont déroulés le 12 janvier. Un cambriolage dans le 16e arrondissement, ça vous dit quelque chose? Non, ça ne dit rien. Ah, vous n'êtes pas au courant. Ça fait un an que nous enquêtons sur cette affaire. Un an que tout nous mène à vous. Les vidéos, les témoignages. Vous étiez où il y a un an, monsieur Morel? Mais je crois vraiment que je me rappelle de ce qui s'est passé il y a un an. Dans tous les cas, moi je ne rentre pas au keuf. Écoutez, monsieur Morel, vous risquez 3 ans de prison ferme. Et 3 ans de prison ferme, c'est long. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que ça implique? Bon, je vois que votre casier est vierge. Si vous coopérez, nous pourrions alléger cette peine. Mais si vous coopérez... Parle, petit bâtard. Mais toi, vraiment, comme ça, je t'enculé, ça chien. Ouais. Écoutez, monsieur Morel, ça fait un an que ça s'est déroulé. Je suis sûr que vous y avez pensé. Je suis sûr que vous avez pensé à cette vieille dame qui habitait seule dans ce grand appartement. Vous avez une mère, une grand-mère. On vous a sûrement lié des objets qui ont une grande valeur sentimentale pour vous et auxquels vous tenez. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Non. Ça, je vais vous le dire. Je vais vous le dire ce que c'est, ça. Monsieur Morel, c'est des bijoux que cette vieille dame tenait de sa mère, qu'elle comptait léguer à sa fille, puis à sa petite-fille. Et maintenant, elle vit seule et dans la peur dans son grand appartement. Eh, vas-y, arrête. La vieille, elle habite toute seule, dans un putain de loft dans le 16e. Alors arrête de me casser les couilles. Putain, carrément, tu me fais dire de la merde. Alors fais pas chier avec tes histoires de sentiments. Si tu crois vraiment comment elle a eu ses sous, c'est parce qu'elle est blindée, c'est tout. C'est que des conneries, tout ça. C'est vraiment ça, c'est des valeurs sentimentaux. Bah, la casse refaire. Appelez-moi mon avocat, là. Qui vienne tout de suite. Bon, on va prendre là le plat qui sont en train de manger. Vous voulez pas prendre autre chose? Non, on va prendre ce plat, c'est bien, merci. Ça va pas être possible. Pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce plat? Je peux pas vous le dire. Non, mais vous pouvez pas, vous ne voulez pas nous le dire en fait. Je veux pas et je peux pas. Non. Nous, on va quand même commander, on va commander ce qu'on veut. Donc, moi, je vais prendre un plat du jour. Toi, tu. Oui, oui. Je veux ce plat aussi, merci. Deux plats du jour, merci. Viens un peu là. Waouh. Plat du jour? Non, en fait, on vous a commandé ce plat. Ouais. Bah. Regarde ce plat. Ouais. Ce plat-là. Ça, pardon. C'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Non. Bah alors, on a commandé ce plat. Ce que vous avez, c'est le plat du jour. Et bien, c'est pas ce plat. Non, mais attends, mais c'est lunaire, là. Attends, cherche pas, là. C'est lunaire, je comprends pas, là. Salut, chef. Non, mais c'est une blague. Je rêve. Tu sais quoi? C'est bon.
Bon appétit. Attention, c'est pas rien. Il m'a fallu des mois pour intégrer ce réseau, c'est hyper select. Mais oui, j'ai vu ça. Attends, fallait avoir le règlement signé, fallait un dress code et tout. Ouais, t'es au taquet, hein. Ce soir, on va se trouver des sugar daddy. Je sais pas. Mets-toi à l'aise. Attends, Inès. C'est quoi ça? Bah, mon fouet. Ton fouet, c'est-à-dire ton fouet... C'est une soirée BDSM, ma belle. Faut se mettre dans le thème. Attends, mais tu rigoles, tu vas pas prendre ça à la soirée. Enfin, tu connais la symbolique de l'objet quand même, non? Ça symbolique? Tu dis ça parce que je suis noire, je vais me gêner. Mais non, mais Inès, je dis pas ça pour ça. Je dis juste que t'es habillée hyper sexy. Tu veux pas choisir un objet un peu plus neutre? Ce soir, je suis un flic. On va être des reines. Des reines, je sais pas, mais des dominas, oui. Entourées de petits bourgeois qui n'ont aucun problème et qui vont à ces soirées pour s'inventer des problèmes. C'est pas vraiment l'esprit de la communauté. Mais t'inquiète pas, ce soir tu vas tellement t'amuser, tu vas oublier tous tes préjugés. Ah ben. J'ai ça. Ouh là là, doucement, doucement. Ouais, quand même, hein. Je suis allée dans une boutique spécialisée de la capitale, objets sur mesure, cuir tressé noir et rouge. Et faut investir, tu pourras légalement taper sur un homme blanc. Eh ben, mais en fait. Toi, toutes ces soirées là, c'est sérieux en fait. Bah, carrément, c'est une activité libératrice. C'est l'occasion d'être enfin en possession du pouvoir, d'être admirée en étant menaçante. Dans ces soirées, nous ne sommes pas des cibles, nous sommes des chasseuses. Eh bien, t'es impliquée, hein? Ouais, mais tu veux toujours y participer? Ouais, je suis chaud, hein. Et puis, je sais pas, si je peux te voir claquer 2-3 fesses, je dis pas non. Ok, mais du coup, t'as choisi quelle tenue finalement? Bah, j'hésitais avec le cuir, mais au final, je me suis dit que le vinyle, ça m'irait mieux. Ok, et tu la portes là actuellement? Non, je préfère me changer là-bas parce que j'ai la flemme des regards des mecs dans le RER là. C'est eux qu'on devrait fouetter. T'as raison. Je suis prête, on y va? Allez, vas-y, let's go.